Ubisoft est avant tout un acteur majeur du jeu vidéo et je vais vous présenter de quelle façon le jeu vidéo peut se mettre au service de la médiation culturelle. Alors, petit exemple, rappel, le 15 avril dernier, alors que le monde assistait avec émotion à l'incendie de Notre-Dame de Paris, les gens ont commencé à échanger sur les réseaux sociaux des photos, souvenirs pour exprimer leur émotion. Et à notre grande surprise, au même moment, d'autres gens, des gamers, se sont mis à poster des vidéos extraites de Assassin's Creed Unity, qui était un jeu qu'on avait sorti en 2014 et qui se situait dans Paris à l'époque de la Révolution française. Donc, pour nous, on s'est rendu compte que le jeu vidéo, c'est aussi ça, c'est des moments mémorables que vivent les joueurs et 5 ans après, ils s'en souviennent, ils le ressortent de leur carton pour partager leur émotion à leur façon. Alors, je vous montre un court extrait, mais voilà. Dans Assassin's Creed Unity, on peut visiter Notre-Dame de fond en comble en grimpant dessus. Voilà, j'attendais un petit peu parce qu'effectivement, on va aussi vers l'extérieur et on a cette vision de Paris et du monument dans son ensemble. Ubisoft est un créateur reconnu de mondes virtuels qui sont riches, vivants, détaillés et qui sont généralement inspirés du réel. Et ces mondes virtuels sont censés offrir aux joueurs des dizaines d'heures d'immersion. Donc pour cela, ça passe pas par une approche scientifique et réaliste, plutôt par une recherche vraiment de crédibilité et de jouabilité. Donc depuis une douzaine d'années, la série Assassin's Creed a revisité, entre autres, l'époque des croisades, la Renaissance italienne, la guerre d'indépendance américaine, la Révolution française, la voici, l'Égypte ancienne et le dernier, la Grèce antique. À chaque fois, on choisit des périodes qui ont un impact dans l'histoire de l'homme et qui permettent finalement aux joueurs de jouer dans des parcelles du patrimoine mondial. Mais, voilà, non. Finalement, on s'est dit, on essaie de s'adresser pas juste aux joueurs. Les joueurs peuvent jouer, peuvent découvrir et vivre des moments mémorables dans ces parcelles du patrimoine mondial. Dans nos deux derniers titres, on a voulu s'adresser à une audience plus large et permettre aux gens de se promener librement dans les univers que nous avons créés, sans avoir à combattre, sans avoir à remplir des missions en temps limité. Nous avons appelé ça le Discovery Tour. Donc le Discovery Tour existe aujourd'hui dans Assassin's Creed Origins, sur l'Égypte ancienne, et dans Assassin's Creed Odyssey, qui se situe dans la Grèce antique. Donc on peut en apprendre davantage sur l'époque revisitée grâce à des visites guidées qui ont été conçues par des historiens et des experts, et qui font aussi le parallèle entre la réalité historique, l'approche scientifique, et l'approche que nous avons eue pour la reconstitution de l'univers. Pour élargir encore l'audience au-delà des écrans de jeux vidéo, un exemple, la collaboration avec le musée d'archéologie de Pointe-à-Calière à Montréal, qui, lors de l'exposition Reine d'Égypte, nous a demandé de ressortir des vidéos de scènes de palais du jeu Assassin's Creed Origins pour illustrer l'exposition. Donc là, on voit les galeries et dans le fond, les grandes projections. Donc voici un exemple. Je crois que c'est une vidéo, mais une vidéo fixe. Un autre type de partenariat, c'est celui qu'on a fait avec le Grand Palais à Paris, qui a des cours, des cycles d'histoire de l'art ouverts au public toute l'année,
Et au mois de mars 2020, il y aura 3 cours qui vont utiliser les contenus de Assassin's Creed comme support visuel. Donc un cours sur l'Antiquité, un cours sur la Renaissance et un cours sur la Révolution française tiré des jeux d'Assassin's Creed. Voilà. Donc les jeux vidéo, ça ne t'apprend pas rien. Dans un esprit tout à fait différent, on a créé avec un partenaire des escape games qui prennent place dans des lieux historiques où on va visiter de façon ludique le lieu. Donc la première expérience était l'année dernière au musée des Invalides et avec des énigmes, avec un personnage, l'assassin, qui nous donnait des indices. Les personnes pouvaient donc visiter le musée en cherchant les indices historiques cachés, en interprétant les énigmes qui étaient données. Et voilà, ça crée une visite ludique qui va finalement être plus mémorable qu'une simple visite non guidée dans ce musée des Invalides. L'expérience a eu beaucoup de succès et est déclinée alors de façon différente avec une autre énigme. Au musée de la Légion étrangère à Aubagne, donc ça a ouvert là au mois d'octobre. Mais il existe d'autres façons. Là, je vous ai présenté ce qu'on faisait vraiment avec la marque Assassin's Creed et sa dimension historique appliquée à des musées. Il existe d'autres façons aujourd'hui pour Ubisoft de mettre ses compétences et, technologiques et de game design au service de l'histoire et du patrimoine. Un exemple, c'est cette expérience de réalité virtuelle que nous avons développée pour l'exposition Cité millénaire à l'Institut du monde arabe il y a un an. Donc on a rencontré à l'époque, on était en discussion avec Iconem, qui est une start-up française qui fait de la photogrammétrie et qui est spécialisée dans le scan 3D de sites du Moyen-Orient en danger. Il préparait pour l'Institut du monde arabe une exposition tout numérique avec des grandes projections de leur scan 3D. Et je crois que celle-ci... Oui, voilà. Et on leur a dit, est-ce que vous avez essayé aussi d'utiliser vos scans en réalité virtuelle? Et bon, c'était pas leur spécialité. Ils se concentraient vraiment, eux, sur la vidéo. Et on a donc proposé à Iconem et l'Institut du monde arabe de faire un volet immersion en réalité virtuelle dans 6 monuments de l'exposition, 6 monuments qui sont aujourd'hui détruits ou très endommagés par les conflits avec Daesh ou, dans un cas, juste menacés par l'érosion naturelle et le manque de moyens. Donc cette exposition qui a duré 4 mois à Lima, pour eux, c'était un moyen de faire prendre conscience au public des enjeux de la préservation de ces sites, des sites de cette région. Et donc c'était composé, comme je vous l'ai dit, de grandes projections murales et de témoignages vidéo des différents lieux concernés. Donc il y avait le temple de Baal Shamin qui a été dynamité en 2015 à Palmyre, le souk d'Alep qui est aujourd'hui dévasté, désaffecté, les souterrains de Nabi Younes à Mossoul qui ont été découverts parce que Daesh les avait occupés et avait fait sauter un mausolée qui était au-dessus. L'église Notre-Dame de l'Heure qui a été détruite, désaffectée, qui a servi de prison. La mosquée Al-Nouri qui d'abord a été le lieu où a été proclamé le califat par Al-Baghdadi, mais qui ensuite a été dynamitée quelques années plus tard, enfin détruite. Et la basilique de Leptis Magna, qui, elle, est un cas à part, parce que c'est pas un lieu de conflit, mais elle subit l'érosion du vent marin. Donc voilà, ça c'est Leptis Magna, c'est moi, dans Leptis Magna. Et donc voilà, on a créé une expérience très simple en termes d'interactivité, où le visiteur peut se déplacer dans un périmètre de 9 mètres carrés, il peut regarder autour de lui et il peut se pencher, regarder derrière une colonne, admirer les perspectives. À chaque fois, on a choisi des lieux avec des perspectives intéressantes. Le président de l'Institut du monde arabe, à l'époque, était assez réticent à faire une exposition tout numérique. Il avait du mal à penser qu'on pouvait mobiliser un public.
dans une exposition où il n'y avait aucun objet, aucun tableau. Et donc, on l'a invité à tester les premiers essais et il est ressorti convaincu grâce au pouvoir d'empathie et d'immersion très forte de la réalité virtuelle. Voilà, un extrait. Alors là, je vous le présente en vidéo 360 parce que c'est plus agréable à montrer, mais voilà, sinon ça bouge un peu plus. Mais voilà, on peut vraiment se déplacer. Alors pour nous, c'était vraiment une nouvelle façon de travailler. Jusque-là, on reconstitue des modèles en 3D à partir de photos ou à partir de rien. Et c'était la première fois qu'on travaillait avec des scans 3D dans un moteur de réalité virtuelle. Donc Iconem nous a passé des mèches 3D. On a réalisé que c'était des modèles très lourds avec des millions de polygones et que ça posait un problème de fluidité, de confort visuel pour l'utilisateur dans un moteur de temps réel. Donc on a un programmeur, un graphiste qui ont retravaillé ces mèches 3D, qui ont en fait travaillé sur les différents niveaux de détail des premiers plans, des seconds plans, des plans de fond. Le plan de fond moins détaillé, mais par contre, au premier plan, si j'ai un fronton sculpté, mais il a fallu compléter les textures, il y avait des trous qui apparaissaient dans les scans 3D, et en faire un élément très concret et réaliste au premier plan. Dans le cas de certains sites qui étaient totalement détruits, comme le temple de Baal Shamin à Palmyre, il y a une certaine frustration pour le visiteur à se retrouver debout au milieu d'un champ de ruines. On ne pouvait pas non plus reconstituer le temple parce qu'il n'y avait pas de scan 3D qui avait été fait avant la destruction. Mais dans ce cas-là, on a eu la chance d'être en contact avec l'Université de Lausanne qui avait créé un modèle architectural de ce temple à partir de photos d'archives. Donc ils nous ont passé le modèle et on l'a intégré de façon plutôt fantomatique. En gros, on est au milieu des ruines et le temple reprend forme. Et l'olivier qui poussait au milieu du temple renaît aussi. Donc là, on a pareil retravaillé un peu les textures. Et très important, surtout, et ça c'est là où le savoir-faire d'Ubisoft jeux vidéo intervient, c'est de mettre de la vie dans ces monuments. Donc la vie, parce que le scan photogrammétrique, c'est précis, c'est réaliste, c'est assez froid. Donc nous, on a joué beaucoup sur les lumières, on a joué sur des effets de particules, de nuages de poussière, comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans le désert, et des animations d'objets qui vont se balancer légèrement, ou passage d'animaux. Alors là, on a l'exemple du chat qui passe au loin, qui n'est pas juste là pour divertir, mais pour attirer le regard vers la belle perspective du temple, de la même façon que dans les voûtes de l'église ou du souk, on a ajouté des vols de pigeons pour que l'utilisateur pense à regarder au plafond et à voir les voûtes. Et enfin, la vie, ça passe aussi beaucoup par le paysage sonore. Donc il y a eu un gros travail là-dessus, d'essayer de recréer une ambiance quand on n'avait pas été sur place. Donc on a interrogé les personnes d'Iconem qui avaient été sur place faire les scans. Et à partir de leurs témoignages, voilà, ajouter des cris d'oiseaux marins, des grésillements d'insectes dans le désert, un bruit urbain. Et dans le souk d'Alep, on fait revenir des murmures du passé, une ambiance de souk. Dans l'église Notre-Dame de l'Eure, qui est là, on a les bruits de pas qui résonnent sur le marbre cassé. Alors la tentation était très grande pour mon équipe qui vient du jeu vidéo de mettre de l'interactivité. Mais on s'en est empêché parce que la problématique du musée, c'était comment je vais pouvoir faire tester cette expérience au plus de monde possible, sachant qu'ils ont, je ne sais plus, entre 600 et 800 visiteurs, peut-être même plus, par jour, et tout le monde ne va pas pouvoir tester, mais il faut qu'un maximum de gens puissent tester. Donc on a dit l'expérience fera 3 minutes 30. Et les gens pourront être dedans tout de suite. Donc
pas de contrôleur, et la seule interactivité, c'est le déplacement qui est libre. Et moyennant quoi, l'expérience est accessible à tout le monde, quel que soit l'âge des gens, quel que soit leur profil technologique, ils ont juste à mettre le casque, et vous allez voir, là il y a une photo qui en vaut 100. C'est cette dame qui est originaire de Mossoul, qui était très âgée et qui est venue voir l'expérience, et c'est sa fille qui la poussait dans le fauteuil roulant, là où elle lui demandait d'aller, puis elle regardait à l'écran aussi, et qui est ressortie vraiment très émue de cette expérience. Alors bien sûr, tous les visiteurs n'étaient pas originaires des lieux concernés, mais c'est une expérience qui arrivait en fin de l'exposition, donc les visiteurs arrivaient déjà sensibilisés au sujet, et l'immersion finale créait vraiment une décharge émotionnelle qui a laissé plusieurs personnes en colère ou au bord des larmes, ou en tout cas avec l'envie que quelque chose soit fait, ou l'envie d'agir pour préserver ce patrimoine. Et donc, on ne sait pas arrêter là, puisque je vous parlais en début de présentation de Notre-Dame de Paris et des souvenirs que la reconstitution avait laissés aux joueurs. Donc dans ce jeu, la cathédrale était importante, c'était une partie de jeu importante. Donc elle a été recréée avec beaucoup de minutie. Il y a eu, on parle de 5000 heures de travail, presque 2 ans pour la graphiste principale qui a travaillé sur le modèle. Avec des éléments un peu anachroniques, puisqu'on sait que la flèche de Viollet-le-Duc, les apôtres et les gargouilles n'existaient pas à l'époque de la Révolution. Mais ça fait partie des choix assumés quand je vous parlais du fait qu'on n'a pas une approche scientifique, mais plus basée sur la crédibilité et la jouabilité. Mais nous, nos joueurs, s'ils vont dans Notre-Dame de Paris, ils pensent à la flèche, ils pensent aux gargouilles, et ils ont envie de l'escalader. Donc, on l'a mise de façon assumée. Et on s'est dit, si elle plaît tant aux joueurs, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas la mettre à disposition d'un public plus large. Il n'y a pas de Discovery Tour qui existe pour Assassin's Creed Unity, qui est un jeu qui date de 5 ans. Donc on a décidé d'essayer d'extraire le modèle 3D, de l'intégrer dans un moteur en réalité virtuelle, et de créer une visite de la cathédrale en offrant plusieurs points de vue différents à l'intérieur, à l'extérieur, des points de vue qui étaient parfois inaccessibles au public, comme le toit. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Toujours dans un espace de 9 mètres carrés, le visiteur peut regarder autour de lui, peut se pencher au balcon, il peut admirer les vitraux, on a des points de vue tout près des vitraux. On a ajouté aussi de la vie avec des vols de pigeons, avec des fumées de cheminée ou des fumées d'encens à l'intérieur. On a beaucoup de personnages dans le jeu. On en a mis quelques-uns, pas trop, parce que si on met trop de personnages, les gens oublient de regarder le monument. On a une vue du parvis et on a surtout le Paris de l'époque de la Révolution française qui entoure Notre-Dame. Et c'est là, c'est ce qui fait de notre expérience une expérience différente des scans architecturaux qui peuvent exister et uniques, c'est qu'il y a de la vie autour, c'est qu'elle est dans un environnement vivant. On voit la Seine et on voit tous les monuments qui l'entourent. Alors, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a faite à partir de l'expérience en réalité virtuelle. Je vous parlais de ville, la vidéo a été réalisée un petit peu avant qu'on mette tous ces personnages. On l'a montré pour la première fois aux Journées du patrimoine à l'UNESCO. On a fait passer plus de 1000 personnes en 2 jours. On avait tous les âges, on avait des petites filles, on avait des grands-parents, on avait des Chinois, des Japonais, des Américains. C'était une super opportunité de pouvoir faire tester notre expérience à tout ce public. On l'a montré également lors d'un événement au ministère de la Culture à tous les acteurs du chantier. Donc l'expérience a été testée par le général Georges Lin qui va s'occuper du chantier, par les architectes du chantier, par l'archevêque de Paris.
mais aussi par les tailleurs de pierre, par les vitraillers, les restaurateurs de peinture qui étaient là. Donc c'était vraiment super pour nous de pouvoir recueillir leurs commentaires. Et voilà, aujourd'hui, on trouve qu'on a un super outil, qu'on a envie de le mettre à disposition du plus grand nombre, et on cherche le lieu, et on est en discussion avec les musées, la mairie, le diocèse, le ministère. Ça va se faire, mais je ne peux pas encore vous dire quand et où. Merci beaucoup.